Salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve aujourd'hui pour mon let's play de Pokémon... Pokémon Rouge, le troisième épisode de Pokémon Rouge. Donc la dernière fois, nous avons traversé la forêt de Jade, nous avons capturé un Pikachu, nous sommes arrivés à Argenta. Entre les deux épisodes, j'ai fait monter mes Pokémon jusqu'au niveau 10. Donc là, on va mettre Carapuce en première position parce qu'on aura besoin de lui. Parce qu'on va affronter la reine d'Argenta, qui est une arène de type roche. Et la reine se trouve juste là. Et ouais. Donc là, on va affronter le premier dresseur. Une minute, gamin. Tu es encore loin de Pierre. Tu vas devoir m'affronter. Ok, fais comme tu veux. Je vais devoir t'affronter si tu veux. Allez, dresseur junior veut se battre. Dresseur junior fait appel à The Picker. Et moi j'envoie Carapuce. Et je lui fais écume dans sa race. Il m'a pas fait mal. C'est pas vrai. Moi par contre je lui fais plus mal. Oula, coup critique. Est-ce que je vais m'en sortir? Ah, griffe. Oula, il ne reste que 9 PV. Et lui il est KO. Je lui ai fait un coup critique alors qu'il restait que 3 PV. C'est pas grave. Et Carapuce monte au niveau 11, bien sûr. Allez, Sabelette. Sabelette qui peut apprendre griffe également. J'ai plus qu'une potion. Ça va être dur. Ah. Ah mais allez, écume là. Voilà. Donc bien sûr, après je vais racheter des potions, hein. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle, hein. Si j'ai pas de potion, on va aller au centre Pokémon après. Allez, ah mais... Allez, ouais, il me fait griffe. Ouais, bien sûr, faut que tu rates. Allez, les petites griffes, est-ce que mon Carapuce va s'en sortir? Oui. Oui, c'est bon, il s'en est sorti. Oh là là. Et niveau 12. J'ai vaincu le dresseur junior. Donc bien sûr on va s'acheter au moins une potion. On a combien d'argent? Ah ouais, on va s'en acheter une. Au moins. Et après on va aller au centre Pokémon. Parce que il faut peut-être soigner mes Pokémon là à la fin. Allez, on va aller au shop. Oui, tu peux m'aider. Voilà, on a acheté une potion. On va peut-être pas vendre les Pokéballs, on en a besoin. On va aller au centre Pokémon. Parce que... faut peut-être le soigner complètement. Parce qu'on est, on sera contre Pierre quand même, hein. Il a des Pokémon de type roche, alors faut pas rigoler avec lui. Et toi, la fermière cheval, t'arrêtes de me demander si je veux soigner mes Pokémon. Je suis un peu là pour ça. Voilà. Bon, on retourne dans cette arène. Et ouais. Là, on va affronter Pierre. Je le sens bien, là. Non, ouais, parce que quand j'étais petit, je le battais uniquement avec Carapuce. Hein. J'avais uniquement Carapuce dans mon équipe. Et je suis Pierre. Je suis le champion d'Argenta. Je crois en la grande résistance de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont des élémentaires de pierre. Tu veux toujours te battre avec moi? Très bien, en garde. Allez, premier champion d'arène, les gens. Premier champion. Pierre veut se battre. Pierre fait appel à Rakaio, qui est niveau 12. Bien entendu. Et moi, je lui fais écume. Et donc, bien sûr, il est presque mort. On a une potion contre pour Pierre. Là, ça devrait le faire. Allez, Onyx. Onyx. Ah, charge, utilise charge. Et... Oh, presque. Grincement. Ah, ça... Il perd ma défense. Moi aussi, je perds de la défense. Bon, bah, lui, il a plus de Onyx. Hein. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'ai gagné le badge roche, là. Et mon Carapuce, lui, il monte au niveau 13. J'ai vaincu Pierre. Nickel. Bon combat.
En reconnaissance de ta victoire, voici le badge Rush. Atom reçoit le badge Rush. C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son tête en terre deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. Attends, prends ça avec toi. Hey, je reçois la 7-34. Allez, on s'en fout. Je connais quand même les jeux Pokémon. Alors que depuis la 5ème génération, on ne peut plus vendre les CT. Alors que dans les 4 premières, on pouvait. C'est dommage. Parce que là, patience, c'est pas. C'était très utile. Donc, du coup, on va la vendre. Vendre. Patience. Elle est là. Voilà. Ça nous fait un petit peu d'argent. Donc, du coup, on va aller s'acheter quelques potions. Allez, hop. Et des balls aussi. Voilà. 16 balls. Au total. 16 balls au total, hein. C'est pas que j'ai acheté 16 balls, hein. J'en ai acheté que 4, il m'en restait 12 dans mon sac, dans mon inventaire, quoi. Et puis, on a vaincu Pierre. On a le premier badge du jeu. Donc bien sûr, là, on va se diriger vers le mont Sélénite, et après on va se quitter là, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc du coup, on va envoyer Pikachu. Et let's go to the route, je sais pas combien, la route 3, je crois. Allez. On va se faire les dresseurs. Tu veux ma photo? Non. T'es pas belle? Ouais, elle est vraiment pas belle. La fillette qui veut se battre, elle est pas belle. Bon, tu fais appel à Rookool, c'est cool. Jeu de mots. Et moi, je te fais éclair. Allez, je te transforme en KFC. Voilà. Et hop. Allez, moi, je te fais un petit recoup. Non, je te fais un petit éclair, moi. Ah, paralysé. Ah, il me fait jet de sable. Il ose me faire jet de sable. Bah oui, il a osé. Voilà. Allez, j'ai gagné je sais pas combien de Pokédollars. Et on s'est déjà vu dans la forêt de Jade. Bah je ne sais pas parce que vous ressemblez tous. Scoot veut se battre. Scoot fait appel à Chenipan. Ah, moi je fais appel à Pikachu. Qui va te paralyser, mon gars. Ou pas. Parce qu'il paralyse pas tout le temps. Et il décharge. Et éclair, allez. Ouais. Coup critique en plus. Hein. Coup critique. Et niveau 11, quand même. Aspico. Bim. Et éclair. Et non, il est pas KO. Il est toujours pas KO. Et il est KO. Un chenipan. Un chenipan est envoyé par le scout. Moi, c'est un éclair qui est envoyé par Pikachu. Donc bien sûr, il fait un coup critique. Bien entendu. Allez, charge. Non, Pikachu il va pas faire charge, hein, il va faire éclair. Voilà, c'est bon. Le chenipan est KO. Voilà, c'est bon. Ouais, je t'ai encore battu. Soi-disant. Yaha, j'adore les shorts. Viens me battre. Ok. Ok, si tu veux. Et le gamin va se battre. Il fait appel à Ratata. Et moi, je te fais un petit éclair dans la figure. Et ouais. Oula.
Mais le ratata là, il fait mal. Hein. Mimique. Moi, je te fais cage éclair. Pourquoi aucun effet sur Ratata? Pourquoi? Hein, pourquoi? Et éclair. Oh, coup critique. Oh, bah, c'est mieux ça. C'est mieux. Et un abo. Et moi, je te fais éclair. Parce que c'est comme ça. Ouh là là. Il m'a quand même fait mal avec son Darvenin. Ah, paralysé, yes. Darvenin. Oh, empoisonné. What? Allez, monte au niveau 12, tu l'as quand même bien mérité. Bon, est-ce que j'ai un petit antidote? Normalement, j'en ai pas, bah oui. Donc, du coup, j'ai pas le choix. Je dois le soigner avec des potions. Comme ça, il va pas mourir. T'es un dresseur. À l'attaque. Ouais, à l'attaque. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Voilà. Et le Aspicot qui est revenu. Et hop, éclair. Et... c'est pas bon. Il a pas tué. Il a pas tué. Cet Aspicot. Mais maintenant il est KO. Ça le fait bien, non? Maintenant à Conconfort. Ah oui, c'est Aspicot, Conconfort et Chenipan et Crisacier. Ah, poison. Ouais, mais là par contre c'est 2 PV là, c'est... Pourquoi ça part de par 2? Et armure. Et les KO le Conconfort. Un Chenipan. Et donc bien sûr je lui fais éclair. Il est pas KO. Naturellement, hein, il n'est pas KO. Allez, hop. Le Chenipan KO. C'est bon. Allez, il va envoyer le Crisacier là. Est-ce que ça va le tuer? Est-ce que ça va le tuer? Non, ça l'a pas tué. Ah, j'ai pas vu combien il lui restait d'éclairs. Ouais, parce que ce serait bien qu'il monte de niveau assez vite là. Ah, 5. C'est juste, hein. C'est très très juste. Voilà, c'est bon. Il monte au niveau 13. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir changer de Pokémon. On va pouvoir changer de Pokémon. Et hop, Pokémon. Trop cool. Tant pis. Là, si le. Si Pikachu il est KO. Hey, t'as pas de short, t'es nul. Mais c'est quoi cette obsession avec les shorts? C'est bon, si j'ai pas envie d'avoir de short, j'en mets pas, voilà. Bien fermé. Ah oui, level 14 quand même. C'est pas rien quoi. Et j'ai de sable. Comme ça, s'il me fait une attaque, je vais pas me la prendre quoi. Gros yeux. Ah, rugissement. Voilà. Il a bien perdu en précision. Et normalement. Oh, coup critique. Pic pic. Ah bah c'est bête hein. Fais encore un autre coup critique. Voir deux autres. Rugissement. Et il a battu un Piaf avec level 14, hein, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et niveau 11, c'est bien mérité ça. C'est bon, j'ai vaincu le gamin. Qui était plutôt facile à battre. Allez. Ah, le poison. Le poison.
le poison qui fait des ravages sur Pikachu. Dis donc, beau ténébreux. Tu veux qu'on se boxe? Ouais. Ah oui, vas-y. Enfin, c'est à prendre dans le bon sens du terme. Ratata! Et moi, je t'envoie un Roukoul. Ah oui, vive attaque quand même. Et... non, pas KO. Il est pas KO. Tornade! Et... ah... ah, il me fait mimiqueux. Ah, dur. C'est bon. C'est bon. Il est KO. Ah oui, Nidoran mâle. Les premiers Pokémon qui ont eu un sexe mâle ou femelle. Mais ils pouvaient pas se reproduire à l'époque. Et mon Roukoul vient de tomber par terre. Ouais, enfin il est KO quoi. Il perd de la vitesse. Écume. Ah, coup critique. Oh, il ne reste qu'un PV, quoi. C'est bon. Ah, level 14, quand même. Il évoluera pas maintenant. Il évolue au niveau 16. Alors... allez, on va se battre contre le petit de la sœur. Bien sûr, on s'arrête au centre Pokémon qui est juste devant... le mon Sélénite. Sinon c'est pas drôle. Pikachu. Éclair. Je t'ai fait un éclair. Coup critique. Il est même pas paralysé quoi. Il est même pas paralysé. C'est bon. Bah là il est KO, c'est encore mieux. Un cri d'acier. Et Calapuce. Parce que toi, tu vas bientôt évoluer. Donc, ce serait bien si tu pouvais faire mal aux cris d'acier. Ah. Saleté d'insectes. Merci. Et cris d'acier qui fait que armure. Donc, du coup, ça me fait perdre du temps pour rien. C'est bon. C'est bon, ça. Et... ah, la graisseuse... ah, j'avais oublié qu'elle me voyait. Et tu m'as touché, là. Mais non, je t'ai pas touché. C'est bon, quoi. Je t'ai pas touché là où il fallait pas. Ah bon. Un rondoudou. Ah. Allez, Claire, t'as intérêt à faire ton effet. Il y a tout que... ah, berceuse. Donc du coup, je vais pouvoir me soigner. Si j'ai bien compris. Et moi, je te fais... J'utilise une potion. Entrave. Cajet... ah oui. Ah oui, je pouvais attaquer, là. Entrave. Et moi, hop. Pokémon, j'envoie Carapuce. Berceuse. Non. Il me l'a endormi. Il me l'a endormi. Si tu pouvais te réveiller là, s'il te plaît, ce serait bien. En plus, il m'a utilisé grâce face. Et en plus, je crois qu'il a que ça comme attaque défensif. Et voilà, et grâce face. Et hop, écume. What? Mais le rondoudou, il est super résistant. Ah, mais pas berceuse. On est déjà 19 minutes hein, de vidéo. Quand même. Faudrait peut-être pas tarder. Allez. Écrase-face. On va le soigner. Ah, il est grand temps que je soigne mes Pokémon. Allez, s'il te plaît, là. S'il te plaît. Réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Réveille-toi.
Nous sommes à la minute, là. Réveille-toi. Ah, mais réveille-toi, mais... Là, le... Le carapuce, là, tu gères pas. Écrase-face. Allez. Écume. Berceuse. Merci pour cette berceuse. On t'intéresse de réveiller vite. Hein. Réveille-toi plus vite que ça. Genre maintenant. Et tu l'as presque tué. Tu l'as presque tué. Voilà, c'est bon. Voilà. Fais un coup critique cette fois. Non. Yes. On a battu ce rondoudou. Ah, il est même pas monté niveau 15. Ah, chaud. Bon, on a intérêt à se dépêcher pour aller au centre Pokémon. Donc, bien sûr, après, on va se quitter là. On va pas faire la grotte dès maintenant. Dans le prochain épisode. Et donc, là, le centre Pokémon qui est juste ici. Ah. Bienvenue dans notre centre. Oui, on s'en fout. Allez, 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 allez. Voilà. Oui, vous pouvez quand même une super pêche. Allez, à bientôt. Bah, merci. Je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. À mon compte Twitter également. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde.